cœur me mentait toujours. Tant que l'esprit pouvait venir, j'étais là. Parce que, au fait, l'ennemi opère dans ça. Et plus je mentais, plus je mentais, plus je mentais, plus je mentais. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, je te dis ça ne va pas. Mais je ne te parle pas pour te blesser. Mais je te fais comprendre que là et là, ça ne va pas. Il faut faire là et là. Mais avant, je ne pouvais pas, je vous assure. Et quand nous voyons un peu l'attitude de Christ, ce n'est pas qu'il était impoli. Mais au fait, en parlant de cette manière, Christ savait qu'est-ce qui opérait derrière. C'était une manière de fermer la porte à l'ennemi. Deux fois, j'arrivais, je dis, mais pasteur, on a dit ça, est-ce que c'est vrai? Mais le pasteur ne s'arrête pas là. Attends, le pasteur ne va pas dire que non, parce que c'est la sœur Rod qui est venue me parler et je vais garder ça. Eh bien, il va appeler ces personnes-là. Et moi, j'étais là, je tremblais, je dis, mon Dieu, ces personnes, ils vont dire quoi? Il appelle, frère et tel, sœur et tel, vous allez être là, vous allez dire ça, 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 et la sœur Rod était là. Mais moi, en ce temps-là, je me disais, mais pourquoi il est en train de faire ça, au fait? C'était une manière de fermer les portes aux esprits. Parce que on nous dit que un peu de levain fait monter la pâte. Un peu de levain. Et c'est ça qui se passe dans les églises. Un peu de levain. On vient dire ça, ne dis pas. Hein? On vient dire ça, ne dis pas. Hein? Et tout le monde est dans le levain commence à monter. Et vous allez voir, un tel est parti, un tel est parti. On ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se dire. Et moi, en ce temps-là, je partais, je voyais le pasteur. J'ai dit, on a parlé, il y avait la soeur, un tel, il y avait le frère, un tel. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur fait asseoir. Moi, quand j'étais timide, je tremblais. Mais à la fin, comment est-ce que je vais regarder les frères? Comment est-ce que je vais regarder les soeurs? Alors que, effectivement, il faut agir comme ça. Parce qu'il y a des esprits qui se camouflent. Il y a des esprits qui s'infiltrent au milieu de vous. Parce qu'un tel a dit ça. Un tel n'a pas voulu bloquer. Un tel n'a pas voulu que ça arrive jusqu'au pasteur. Et voilà, l'église est infectée. Comme une tomate pourrie, quand vous mettez une tomate pourrie dans une bac, là où il y a beaucoup, beaucoup de tomates, de bonnes tomates, mais ça va affecter toutes les tomates. Amen. Amen. Toutes les tomates vont être affectées. Jamais la tomate pourrie va devenir une bonne tomate. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jamais, jamais, même si vous mettez 100 bandes de tomates et une tomate pourrie, jamais une tomate pourrie ne viendra bonne. Mais cette tomate va affecter les autres tomates. Voilà pourquoi Christ, il savait ce qu'il était venu faire. Il savait, il connaissait sa mission. Et il connaissait aussi le diable. Il connaissait comment le diable opère. Il s'infiltre. Les gens laissent passer l'ennemi. L'ennemi rentre jusque dans l'église. Dans les coulisses. L'ennemi opère, 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 opère. Voilà pourquoi, au début, j'ai dit le discernement. Comprendre, comprendre, comprendre. Savez-moi, le Seigneur m'avait dit juste quelque chose. C'est auprès de ce monsieur-là que tu vas avancer. C'était ça la parole que Dieu m'avait donnée. Je suis restée à côté du pasteur. Mais dans ces calistés-là, j'ai vu ce qu'il fallait voir aussi. Et il y a des moments aussi, je voulais fuir. Mais Dieu me rattrapait. Reviens. Parce que là, ça parle, là, ça parle, là, ça parle, là. Des pressions, ça montait, ça montait. Mais à un moment donné, je rentre à la maison, je dis, Seigneur, mais c'est là que tu m'as mis. C'est là.
Mais il fallait que je prie. Il fallait que je prie. Et il fallait comprendre. Il fallait comprendre ma mission. Et il fallait comprendre qu'est-ce qui était caché derrière ces tumultes, ces pressions qui venaient de partout dans le but de me sortir de la présence de Dieu. Dans le but d'arrêter ma mission que le Seigneur m'a donnée sur la terre. Fallait accepter les insultes, il fallait accepter l'humiliation, il fallait accepter tout ce qu'il fallait accepter pour le Seigneur, pour que je sois aujourd'hui là où je suis. Et c'est pas fini. Et il y a un verset que j'aime bien. Ce verset-là, quand je lis ça, ça me console. Là où Christ dit, lui qui est un arbre vert, il a été insulté. Et combien de fois, nous, les arbres secs, et il dit, s'ils ont accepté ma parole, ils vont aussi accepter votre parole. Et quand je lis ces versets-là, ça me fortifie. Effectivement, après, en réfléchissant, tu te dis, mais est-ce que je suis une star pour qu'on m'acclame? Non. Mais oui. Je suis venu pour accomplir effectivement la mission. Oui. Et le diable est fou de rage. Et maintenant, il faut savoir que derrière ces pressions, l'ennemi est derrière. Il faut comprendre quand une personne est en train de venir te dire telle parole. Qu'est-ce qui est derrière ça? Il faut que je comprenne moi que non, au milieu des mauvaises compagnies là, ça peut m'affecter. Donc je veille même sur mes pieds, sur ma bouche. Je veille sur tout. Et aujourd'hui, les gens qui viennent voir Christ, il s'agissait de son père, il s'agissait de sa mère, il s'agissait de ses frères, de ses sœurs. Mais la réponse de Christ. On nous dit au début, comme Jésus s'adressait encore à la foule, ça veut dire qu'il était en train de prêcher. Il était en train d'assurer un service. Et là, on vient lui dire, ton père, ta mère te cherche. Attends, je suis en train d'assurer un service. Je suis en train de parler là, je suis en train d'évangéliser. Là, je suis en train de prêcher. Ça, c'est encore l'ennemi. Donc, il faut que je coupe ma mission à moi pour aller voir. Ça, c'est encore les diables. Et j'aime bien les réponses de Christ. On dit, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais ça peut attendre. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis étendant la main sur ses disciples et dit, voici ma mère. Mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Parce qu'en fait, il avait compris que l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour faire échouer ta mission. Le diable peut utiliser n'importe qui. Une fois que j'ai reçu la paix, une fois que je marche avec le Seigneur, il y a des choses que je dois comprendre. Il y a des choses que je ne peux plus jouer avec. Les sentiments. Les sentiments. Les enfants de Dieu, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous empêche de marcher avec le Seigneur. Oh oui, mais c'est juste un tel. Mais derrière un tel là, est-ce que tu sais ce qui se cache? Tous, on a marché dans les ténèbres. Tous, on a fait telle chose, telle chose. Moi, j'ai grandi à côté de mon père, à côté de ma mère. Personne ne connaît le Seigneur. Mais je connais maintenant le Seigneur. Je dois avoir ce discernement. Qui est ma mère? Qui est mon père? Qui sont mes frères? Qui sont mes enfants? Ce n'est pas parce que je les ai eus, je les ai sortis de mon ventre. En ce temps-là, est-ce que j'étais dans le Seigneur?
Qu'est-ce que j'en sais? N'importe qui peut m'empêcher d'arriver jusqu'au bout de ma mission. N'importe qui peut m'empêcher de rentrer dans mon appel. Et Christ avait cette connaissance. Voilà pourquoi il fermait à chaque fois le chemin. Parce qu'il avait la connaissance. Aujourd'hui, je peux dire, ce n'est que ma mère. Vous savez, il y a des fois où j'entends des choses. Ah, ta mère qui t'a mis au monde, elle ne t'a pas bouffé quand tu étais encore bébé. Oh, chrétien, arrête de raisonner. Tu es l'enfant de Dieu. Rentre dans la prière, prie, prie. Cherche à savoir pourquoi ces choses-là, pourquoi je vis ça, pourquoi. Ne rentre pas dans les raisonnements. Les raisonnements, c'est ça de foi qui te bloque. C'est ça qui t'empêche. Plus tu rentres dans les raisonnements, le diable, lui, il aime ça. Il aime ça. Il travaille même avec les gens qui sont dans les raisonnements. Donc ton père qui t'a mis au monde. Mais qui t'a dit qu'en ce temps-là, la sorcellerie était développée? Moi-même, j'ai été délivrée de la sorcellerie. Si eux, ils ne sont pas encore délivrés parce qu'ils sont dedans encore. C'est moi qui dois faire attention. C'est moi qui dois comprendre. C'est moi qui dois comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les sentiments. Et là, on nous parle de Christ. Et là, il s'agissait de Dieu sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas toi et moi. De Dieu. Dieu sur la terre. Il pouvait dire, non, je ne veux pas faire ça. Je vais attrister ma mère. Je vais attrister mes frères. Dites-le seulement que j'arrive. Hein, je finis d'abord de prêcher. Il pouvait dire ça. Mais il a dit non. Ceux qui doivent marcher maintenant avec moi, ce sont ceux-là qui sont ensemble avec moi dans la maison de Dieu. Vous êtes mes parents, vous êtes mes frères, mais il y a des choses que je ne peux plus faire avec vous, c'est clair. Plus je rentre dans les sentiments, plus ça peut me faire tâtonner. Voilà pourquoi Christ, il était carré. Mais toi et moi, quelle est notre attitude? On est toujours dans les sentiments. Mais tu sais pas, ce n'est que ton enfant. Mais ton enfant peut te bouffer. Pendant que tu l'as eu au monde, est-ce que tu connais? Est-ce qu'il y a des moments où on essaie un peu de prier pour demander l'état de nos enfants? L'état de nos enfants. Quand j'arrêtais, faisait sa folie. Quand j'arrête, se rebellait. Quand il est parti à Orléans, il y a beaucoup de gens. Mais tu ne peux pas laisser Jared d'aller à Orléans. Mais tu ne peux pas. Tu es quand même sa mère. Tu es quand même. Mais moi, le Seigneur me disait le contraire. Moi, Dieu me disait, continue d'être dans ma présence. C'est moi qui vais faire ce travail-là. Bon, est-ce qu'il faut que j'écoute Dieu ou bien j'écoute les gens? Oui, Jared, c'est mon fils. Est-ce qu'il fallait écouter Dieu ou bien il fallait écouter les gens? Il fallait écouter Dieu. Et il fallait que je m'accepte. J'accepte des insultes. Mauvaise mère, oui. Il fallait accepter ça pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour qu'il soit sauvé. En ce temps-là, si je me levais peut-être pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher mon fils. Je ne sais pas quelle porte que j'allais ouvrir. Je ne sais pas. Mais Dieu qui sait tout. Dieu qui connaît tout, l'oreille, mon oreille là, doit être vers le Seigneur. Je dois être attentif. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire par rapport à ça? Dieu me dit, reste tranquille, c'est moi qui vais faire le travail. Mais est-ce que c'est moi qui vais appeler Jared? Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps que ça a pris, mais est-ce que le temps de Dieu n'est pas arrivé? Le temps de Dieu est arrivé. Mais imaginez un peu que lui aussi, il était miné de la sorcellerie. Et moi, je partais seulement comme ça. Et il allait me bouffer dans la sorcellerie. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Lui-même, il allait dire, mais ben, quand tu es en train de venir vers moi, viens là, je vais te bouffer, toi. Là. Je dois être attentif. Je vous assure, le monde des ténèbres fait un grand travail. Un grand travail. Le monde des ténèbres, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas.
par tous les moyens, il faut qu'il cherche à nous récupérer, nous qui avons donné la vie à Jésus. Il faut qu'il cherche, parce que le but du diable, il faut pas que les gens soient sauvés. Il faut pas que les gens soient sauvés. Je réfléchissais. Vous savez, il y a des versets qu'on est en train de lire, ça me révolte. Je réfléchissais, je méditais. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je dis, Seigneur, le diable m'a pris combien d'années? J'ai connu le Seigneur, je crois, à l'âge de 30 ans, que j'ai donné véritablement ma vie à Christ. Mais de 0 ans jusqu'à 30 ans, le diable m'a pris quoi? Ma vie. Il a dévoré mon mariage, il a dévoré ce que j'allais avoir. Il avait tout dévoré. Jusqu'à 30 ans. Ah non, je ne vais pas continuer de faire joujou. Ah non, je dois me revoquer à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, ah non. Ah non, Seigneur. Ça, je ne veux plus. Je ne veux plus donner cette occasion à l'ennemi. Qu'il continue de voler. Non, tu as pris ma stabilité. Tu as pris tout ce que j'avais, moi. Il te vole, il te détruit. Mais même quand je connais le Seigneur, je n'ai pas envie de donner tout mon cœur. Je n'ai pas envie. Au fait, c'est comme si je disais à Satan, continue de faire ton travail, continue de me détruire, continue de me dévorer, diable. Et il y a des versets, quand tu es en train de lire ça dans la parole de Dieu, ça te révolte. Est-ce que dans le plan de Dieu, il fallait que je passe par tel homme, tel homme, tel homme pour arriver jusqu'à ma destinée? Non. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a créé un homme pour une femme. Est-ce que dans le plan de Dieu, il fallait que j'aie des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants? Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Et quand je vois tout ça, ça me révolte. Quand je vois tout ça, ça m'énerve. J'ai dit non. Non, quel que soit le prix, quel que soit le prix, je dois servir le Seigneur. Je dois m'attacher à Dieu, quel que soit le prix. Tout ce que le diable a volé, c'est bon là. Là, le Seigneur m'a restauré, je dois aller de l'avant. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer que Jésus, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Je vous assure, je me disais ça, j'étais révoltée. Je me disais, bon, là maintenant je suis avec mon mari que le Seigneur m'a donné, celui que le Seigneur avait destiné pour moi. Alléluia. Mais regardez mon âge. J'ai dit, Seigneur, j'accepte parfois d'avoir autant d'enfants avec lui. Parce que regardez les enfants que j'ai eus. Ça allait être ses enfants à lui. Amen. Le diable m'a volé cette vie-là. Regardons la réalité en face. La réalité en face. J'allais être tranquille, j'ai mon mari, j'ai tous mes enfants là. Mais là, je disais à mon fils, reste tranquille. Tu ne connais pas les combats que je combats. Je dois combattre des combats, je dois combattre les combats de deux là, avec leur père. Je dois combattre les combats. Vous vous rendez compte? Mais aujourd'hui, je connais le Seigneur. Je dois prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, je connais le Seigneur. Ma prière tous les jours, que mes enfants ne tombent pas dans ce piège. Je connais le Seigneur. Ma prière tous les jours, Seigneur, donne-moi la force. Il faut que je sois debout. Il faut. Parce que ce que l'ennemi avait détruit, c'est bon là. Alléluia. Amen. Alléluia. La compréhension. La compréhension. Je dois comprendre. Tu dois comprendre, regarde les situations que tu as traversées. Regarde ce que tu as vécu dans ta vie. Regarde, est-ce que Dieu voulait que tu sois comme ça? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Si j'avais attendu, quel que soit l'âge, je ne serais pas peut-être en train de combattre ces combats-là. Je dois tirer ceux qui sont encore dans les ténèbres-là. Je dois les tirer. Tout le temps, Seigneur, fais-moi grâce que cet enfant-là, qu'il sort des ténèbres. Oh, Seigneur, des fois quand Dieu nous regarde, mais est-ce que c'est moi qui t'avais? Oh là là. Que le Seigneur nous donne la force. Amen.
le Seigneur nous donne la force. Prends ta marche, prends ton appel au sérieux. Sois attentif à ce que le Seigneur est en train de te dire. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Reste à la place là où le Seigneur te met. À la place là où le Seigneur te met. Surtout beaucoup de gens, je suis déçu par les églises, je préfère prier à la maison. Oui, sers le Seigneur à la maison, l'enfer va te trouver dans ta maison. Je ne peux pas être déçu. Parce que je sais là où le Seigneur m'a tiré. Je sais d'où le Seigneur m'a pris. Je peux être déçu des gens, mais pas de Dieu. Je peux être déçu des comportements des humains. Mais quand je pense à ce que le Seigneur fait dans ma vie, quand je pense là où le Seigneur m'a tiré, quand je vois ma vie passer, la sale vie que j'avais, j'ai dit, Seigneur, je vais faire tout pour toi. Tout pour toi. Tout pour toi. Je vais continuer de te servir. Même si cette sœur-là m'avait blessée, je vais continuer de l'aimer. Je vais continuer de l'aimer parce que c'est ton enfant. C'est toi qui l'as envoyé à l'église. Je vais continuer. Je suis condamnée. Et j'ai compris ma mission, c'est quoi? J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a appelé. J'ai compris, et quand tu as compris ça, tu ne vas pas faire attention à ce que les gens font. Vous savez, une personne peut être équipée. Équipée d'un esprit démoniaque. Et rentre dans l'église dans le but de détruire. Amen. Si tu n'as pas le discernement, tu quittes ta place. Je vous assure. Si tu n'as pas le... Mais attends, le diable, tu ne peux pas le voir comme ça. Le diable fait un travail dans la vue des humains. Dans la vie des humains. Ça, c'est ma soeur. Ça, c'est ma soeur. Ah oui, on va s'appeler. Hein. C'est pas mauvais. Mais que nous dit la Bible? Édifiez-vous. Partagez les paroles d'exhortation entre frères et sœurs. Mais vous vous appelez depuis que vous avez commencé, même pas une parole qui édifie les frères et sœurs. Quand tu vois une personne comme ça, ferme le chemin. Ferme le chemin. Non, s'il te plaît, moi, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Dis-lui carrément, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Ferme. Ne rentrons pas dans les sentiments. Et Christ, il avait la connaissance. N'est-il pas dit que soyez mes imitateurs? Soyez mes essais. Oh non, la parole de Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Non, surtout les sentiments là. Les sentiments. Beaucoup de gens sont morts à cause des sentiments. Dieu lui dit ça, il rentre dans les sentiments et il ouvre les portes. La mort vient frapper. Dieu te dit ça, toi tu rentres dans les sentiments. Oh non, c'est parce que, oh tu sais pas, Dieu avait dit. Discernement. Discernement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous garde tous. Nous avons besoin de ça. C'est une course, on ne va pas s'arrêter. J'arrêterai le jour que je quitterai cette terre. Je me reposerai le jour que je quitterai cette terre. Même quand je me sens affaiblie, je me lève. Vous savez, une fois, le pasteur nous a parlé du sacerdoce ici. Effectivement, notre sacerdoce à nous est beaucoup méprisé. Je vous assure. Beaucoup méprisé. Une fois, j'étais au marché de Sarcelles, je vois un prêtre qui rentre. Mais tout le monde s'inclinait devant ce prêtre-là. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a? Donc quand il s'approche, même s'il y avait la foule, il faut que tout le monde s'écarte. J'ai dit, mais pourquoi moi les gens ne s'écartent pas? Alléluia. Amen. Je ne suis pas servante de Dieu. Notre sacerdoce à nous est beaucoup méprisé. Mais moi, ça m'enseignait, je regardais ce prêtre-là. Je le regardais. Effectivement. Le monde aime des choses pourries. Le monde aime des choses pourries. Pourries. Regardez, même dans nos familles, on est méprisé même dans nos familles. Mais quand il y a un prêtre dans la famille,
Comment ce prêtre-là est respecté? Comment ce prêtre-là? Mais tu ne peux pas t'approcher de lui n'importe comment. Que ce soit sa mère, son père, ses frères, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il a de bien? Qu'est-ce qu'il peut donner? La mort, que la mort. Alléluia. Discernement. Que le Seigneur vous bénisse tous.